Parallax présente. L'aventure. God of War, Ascension. Salut tout le monde, c'est Galak, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play de God of War Ascension, l'épisode numéro 8, j'espère que vous allez bien, et on est reparti, donc on en était à cette énigme avec la roue, si je me souviens bien, amulette d'Ouroboros, d'accord, comme d'habitude, et donc on avait une histoire en fait avec un levier ici, si vous vous souvenez de l'épisode numéro 7, avec ceci, avec un petit bloc avec trois rouages, voilà, qui nous avait servi à grimper là-dessus pour casser un morceau de la chaîne, ce qui a permis de faire tourner les roues là-bas, bien entendu. Vous le comprenez bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que j'ai pas tout compris, en fait, à cette énigme, c'est ça le truc. Donc, il y avait une roue à faire tourner, d'accord, c'est pas évident de reprendre alors que ça faisait un petit moment qu'on l'avait fait. Ok, donc avoir quelque chose avec ce levier, normalement. Voyons voir. Alors, ça. Ah, d'accord, ça tourne la roue du fond. Ok, et à quoi ça sert de faire tourner la roue du fond? Allez me dire. D'accord. Ah, puis en plus, elle part. Ah bah super. Bon, il doit y avoir un truc avec ce bloc. Donc on s'en est servi au début, il était là-bas ce bloc. Donc écoutez, on va essayer de le remettre là-bas. On va bien voir ce que ça fait, écoutez. On est là pour essayer. Des petites tentatives. Ok, ouais, enfin je vois pas à quoi bon. À quoi bon, je saute, d'accord, ça ne sert à rien. Ok, en plus je suis bloqué. Non, c'est bon. Alors que faut-il faire avec ça? On va trouver la solution, cher galaxien, ne vous en faites pas. On va bien trouver ça. Alors, vas-y, pousse-moi ça. Ça change rien, ça, d'accord. Ça ne change rien du tout. Donc, il y a quelque chose avec ça, alors. Attendez, faut sûrement renouer les chaînes, je ne sais pas, il y a quelque chose. Vas-y, régénérer. Merci. Et à quoi ça sert? On va voir si ça change quelque chose avec le levier. Ah, oui, ça tourne. D'accord, attendez, est-ce qu'on peut le faire venir vers moi au maximum? Ah oui, parce que ça, ça fait venir l'autre roue. Bah écoutez, je pense que c'est ça. Enfin, c'est ça, c'est vite dit. Vas-y, à fond la caisse. Hop, on y va. À mon avis, c'est une question de temps. À mon avis, c'est une question de... Ah! C'est pas ça que... Attendez. Est-ce que c'est ça? Ah! Ça a bloqué... D'accord. Ça a bloqué quelque chose. Attendez, est-ce qu'on l'enlève? Ça repart. Ouais, ah d'accord, c'est une question comme ça. Ok. Ah, et là c'est bloqué d'origine. D'accord, je suis content de le savoir. Et si on casse les chaînes? D'accord, on n'a pas tout compris. Faut casser. Et là, si on enlève. Zut, attendez, vas-y, enlève-moi les chaînes, s'il te plaît. Kratos, s'il te plaît. Allez, enlève-moi les chaînes. Voilà, énigme un petit peu compliquée dans ce God of War. Voilà, c'est bon. Ouais, et là on a rien à faire du coup. Allez comprendre, les amis. Donc là on y revient. Si on met au fond, ça va faire venir la roue devant, d'accord, on s'en fout. Et là pareil. D'accord, donc c'est une question de chaîne, donc faut remettre les chaînes forcément. Si on veut faire tourner la roue. On sait que c'est une question, en tout cas, de bloc et de le coincer. Donc régénère-moi les chaînes, histoire que les roues tournent. Hop, voilà. Celui-là, on va le mettre en position de blocage. Ok, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on a essayé de le tirer de l'autre côté. Donc maintenant, on va essayer de le tirer là. C'est bien ça qu'on avait fait, je crois. Je sais pas trop, c'est quand même bizarre, les amis. Je sais pas trop, on va voir. Peut-être qu'il faut le bloquer là. Ouais. Voilà, là c'est bloqué. Et... Ah! Et des fentes! Ah! Serait-ce ça? Je sais que vous aimez pas forcément quand je fais « haha », mais je le fais quand même. Alors, qu'est-ce que c'est? R1. Extrait du carnet d'Archimède. Elle est presque terminée. Des années de labeur. Encore un dernier effort. Mon esprit connaîtra le repos quand ce sera fini. L'air marin ne fait rien pour mes os. D'accord. Allez, R1, on prend les orbes rouges. Je commence par les orbes rouges, parce que je suis maniaque. J'adore le rouge. Allez, je parie œil de gorgone. Voilà. Et augmentation de la vie, c'est bon ça. Ça fait plaisir. Et voilà. Ah là, ça fait du bien. Et ça ira mieux dans les combats également quand on aura plus de santé. Plume des phénix, alors ça on commence aussi. Ok, tout va bien.
D'accord, c'est cool, mais... Mais et alors, ça m'ouvre pas un chemin... On peut pas aller là. Ah, alors faut faire... Faut trouver un moyen d'amener en fait... Attendez, la roue... Oh! Oh, tu me le chopes? Non, tu veux pas, d'accord. Ah, faut peut-être retirer le bloc. Réfléchissons. Ouais, d'accord, tu tournes. Faudrait faire revenir la roue du bout là-bas. Attendez. Hop. Non, on peut pas. C'est comment? Ah, d'accord, c'est comme ça, oui. Voilà, faut qu'elle elle vienne. Comme ceci. J'ai pas tout saisi. Alors attendez. Parce que là, la roue tourne. Est-ce qu'on peut la bloquer également ici? La bloquer, s'il vous plaît. Ah, il y a la fente. Oui, il y a la fente. Vas-y, 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 vas-y. Voilà. Et là, maintenant, on peut y aller. Et voilà. C'était ça. T'es sûr que c'est ça? Boum. Oh. Je peux rien faire. D'accord. Ah, faut peut-être casser les chaînes alors. De toute façon, ça doit pas être bien compliqué, faut pas abuser. Ah ouais, peut-être que maintenant qu'on casse les chaînes, attendez, on recommence. Voilà, casse-moi les chaînes. Et maintenant... Bah et maintenant, je pense que ça change, qu'on casse les chaînes ou pas. Ça fait pas moins tourner les roues. D'accord. Ok, bon. Ah, ça peut avoir avec ça aussi. Ah, ah, ah. Ah, voilà. Ah d'accord. Eh ben voilà, Galax. Tu as trouvé. Je suis bien content. Ah zut, mais ça... Ah non, c'est bon. D'accord. Bon, bah impeccable. Oh, wow, bah finalement, c'était pas si compliqué. Bah, fallait le deviner quand même, je vous l'avoue. C'était pas non plus donné. Voilà. Allez. Ok, qu'est-ce qu'on a? Une massue. Oh, des insectes. J'aime pas les insectes. Mais boum. Vas-y, on s'est fait. Eh ben, un nid d'insectes. J'aime pas ça. Hop. Voilà. Oula, j'ai un éclair là, j'ai rien compris. Oh là là. Boum. Voilà, plus d'insectes. J'ai horreur des insectes, je ne sais pas où. Vas-y, R1 avec la caisse de santé. Ok. Ensuite, faut pas casser ça. Faut monter. Ouais, c'est ça. D'accord. On va où? On va où? On va où? On va à gauche. Saute, mon Kratos. Saute. Voilà. Allez. Oh, un petit trou encore. Vas-y, saute. Jolie petite phase de plateforme. Alors là, il n'y a pas eu de phase d'action depuis un petit moment. Enfin bon, je trouve que c'est quand même. Il mêle quand même très très bien les phases d'action, les phases d'exploration et les phases d'énigmes. Franchement, c'est super bien géré, je trouve. De toute façon, dans tous les God of War, c'est vraiment un élément important, je trouve. Allez, hop. Putain, il est costaud, hein. Franchement, il est très costaud. Kratos Warrior, quoi. Et retour en extérieur. Le pied d'Apollon. C'est au moins du 50 000, ça, je pense. Ça, c'est du pied. Oh là là. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on fait, nous, maintenant? Hein? On fait quoi? On monte? Ouais, c'est ça. Ouais, et on monte... D'accord. Ah, oui. Fallait le deviner, ça aussi, hein? Ouais, vas-y. Gravis la montagne avec Kratos, le futur dieu de la guerre. Hop. En tout cas, vraiment, j'ai hâte de pouvoir finir celui-ci pour me retaper le premier, le 2, le 3, les Chains of Olympus et le Ghost of Sparta sur PSP. Franchement, j'ai hâte, hein, parce que celui-ci me redonne goût aux anciens. C'est un truc de fou. D'accord, et maintenant, on fait quoi? Que fait-on? D'accord, faut s'agripper, non? Ah, d'accord, oui. Là, pareil, fallait deviner. Vas-y, saute, mon grand. Hop, ouais. Un schtroumpf. D'accord, un schtroumpf de terre. Ça me fait peur. Vas-y, grimpe là-dessus. Grimpe là-dessus. Merci. Ah, d'accord, faut s'immiscer comme ceci sur les rebords. Hop. Je sais pas pourquoi ça scintille là. C'est pas grave. Super beau décor en tout cas. Allez. C'est quoi ça? Nah. Oh non, pas les volatiles. J'en ai marre de ça. Vas-y, allez. Vas-y, toi dégage. Boum.
Voilà. Attention, esquive. Oh, c'était beau, c'était beau. C'est très très beau. Attention, esquive. Ah, j'ai pas pu esquiver. Méchant oiseau, méchant oiseau. Allez, mode rage. Oui, je sais, je mets le mode rage pour des oiseaux. Et alors? Au pire, ce mode rage, on l'a quand même très rapidement dans le jeu, donc y a pas de soucis. Même si je n'aime pas les sushis. Ouh là là! Voilà, on peut se défendre, d'accord, très simple. D'accord, j'ai l'impression qu'elle invoque des oiseaux. Je sais pas si c'est moi. Vas-y, viens là, mon poteau. Voir ta maîtresse là-bas. D'accord. Oh là là! Bijou, on se calme. Ah, elle m'a eu, j'avais ma jauge de rage. Quand même bien élevée. Voilà, allez, on continue. Là, j'espère avoir ma jauge de rage bientôt. Non! Chaque fois, elle me nie tout espoir de jauge de rage. Hop, sur esquive. Ah. Voilà, attention, magie! C'est parti, on varie un petit peu. Voilà. Et là, j'aurai peut-être ma jauge de rage, sait-on jamais. Merci. Même pas. Si, R3, rage. Yes. Ça fait beaucoup de dégâts, ça. Inhumain. Oh là là, quel combo. J'ai horreur qu'on me coupe en plein combo. Qu'est-ce qu'elle me fait, là? Elle me fait le schmilblick. D'accord, on l'a fini, elle. On l'a fini, c'est parti. Vram. Empalée vivante. Ça fait mal. Faut bien l'avouer. Allez. Et lui aussi, il est mort. Bon, bah, tout va bien. Ah, c'est pas fini. C'est moi ou elles ont des têtes, elles? D'accord. Pas tout à fait compris le truc, en fait, le délire, là. Voilà. Attention. Hop, hop. Ah, zut, méchant. Et donc, tout fini. Et finalement, les volatiles, pour des oiseaux, quand même, je trouve qu'ils ont pas mal de vie. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Mais ils ont vraiment pas mal de vie pour selon que c'est juste des volatiles, quoi. Alors. On y va. Oui, mais on grimpe par où? D'accord, y'a rien à faire. Faut grimper, non? D'accord, bah forcément par là! Non, c'est pas là. D'accord. Faut reconstruire quelque chose, non? Apparemment, non. On monte par où? Faudrait juste savoir par où on monte, c'est tout. Une question bête comme ça. Par où monte-t-on? D'accord, tu veux pas monter. Kratos, tu veux pas monter? D'accord. Bon, et bah comment on fait alors? D'accord, j'ai pas tout saisi là en fait. Pourquoi ne montes-tu pas? C'est un bug? C'est quoi? Peut-être monter par là, tout simplement, mon cher Kratos. Non, tu ne veux pas monter, pourtant il y a des planches, c'est si bien amené comme ça. D'accord. Peut-être casser ça. Voilà, c'est ça, d'accord. Bah, je croyais que c'était ça. Si, c'est ça. Ok. Je préfère. Une indication de grappin. Une roue. Comme si on n'avait pas eu assez d'énigmes dans l'épisode précédent. Alors, autant les énigmes, j'aime bien, voilà, parce que ça rajoute quelque chose à un jeu vidéo, forcément, quand elles sont assez intéressantes en plus, ce qui est le cas dans ce jeu. Par contre, le défaut, c'est qu'ils en mettent peut-être un peu trop. Faut pas oublier quand même que c'est un beat'em all, et un beat'em all doit rester vraiment bourrin, accessible à tous. Et là, le fait de mettre des énigmes, bon, c'est pas vraiment ce que j'apprécie vraiment, qu'ils en mettent trop. Un petit peu, oui, mais faut pas abuser des énigmes. Ok, Galax, premier fail, c'est pas grave. Vas-y, on se raccroche. Go! Voilà! Et on va en face. Youpi! Voilà. Oh! Joli! L'angle de caméra, il est où là? L'angle de caméra, s'il vous plaît. Ah! Kratos, tu es où? Ah, tu es là. D'accord. L'angle de caméra était bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok, donc il y a une roue, apparemment, c'est même pas une énigme. C'est juste tirer le levier pour y aller. Pour l'instant, tout va bien. J'ai peur quand même. Je sens que des volatiles vont arriver. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit? En plus, on est dans les airs. Youpi! J'avais deviné. Oh putain, on voit rien en plus. Super. Super agréable tout ça. Vas-y, va voir ton pote. Toi pareil.
Qu'est-ce qu'il me fait? Le stick, Hop. Voilà, je te plante. C'est des femmes volatiles en fait. Allez hop, je t'ai scratché, je t'ai ralenti avec les sables du temps. Non, ce n'est pas le même jeu. Vas-y à fond, la rage. Ouais. J'adore la rage. Voilà, je suis pas tombé, Non, fallait pas tomber aussi. Ah d'accord. Ah mais d'accord. Mais je croyais pas qu'on pouvait tomber en fait, je croyais qu'il y avait des murs invisibles à chaque extrémité de la plateforme. D'accord. Autant pour moi, je me suis trompé encore. Désolé. Allez, cette fois-ci on se trompe pas, on tire le levier. Oh c'est chiant. Allez, venez tous là mes cocos. Venez tous là, j'ai dit. Ouais, donc en fait il vient rester sur la plateforme. Ah c'est chaud de rester sur la plateforme. Ah. On va faire que d'attaques simples, je crois. Voilà, on fait que des attaques simples pour éviter de tomber de la plateforme parce que. Voilà. Voilà, R3, la rage. On va éviter de sauter au pire. Comme ça, on prend pas de risque. Vas-y, viens là. Hop, va voir ton pote. C'est bon, là, on peut avancer encore, les amis. Faut attendre, d'accord. Voilà. Bon. D'accord. Là, on les a eus, pas de soucis. On fait quoi? Au juste. Faut faire quoi? Faut aller sur le bloc, non? Quelque chose à faire sur le bloc? Je sais pas, faut sauter, faut aller sur le bloc. Eh ben non. D'accord. Ah, qu'est-ce que c'est? J'ai pas compris, les amis. Ah, fallait peut-être attendre, justement. Ok, je vois. En fait, le jeu, je suis encore allé plus vite que le jeu. Le jeu n'est pas un jeu anticipateur. Allez, bon, on est reparti. Écoutez, on va rebattre encore ces volatiles. Un petit peu mal fait sur ce coup-là, quand même. Ils auraient pu... Il y a une petite maladresse au niveau du jeu. Mais bon, c'est pas trop trop grave, on va dire. C'est gentil. Mais bon. Comme je dis toujours, aucun jeu n'est parfait. On va pas tomber, hein. Surtout pas. Pas m'embêter à refaire encore une fois. Allez, la rage. Let's go. Rage d'Hadès. D'accord. Allez, viens là. Hop, voilà, merci. Oh, méchant. On est presque arrivé. On est bientôt arrivé. Normalement, oui, il y a le truc de l'eau qui devrait venir. Voilà, c'est bon. Apparemment, là, maintenant, faut s'arrêter. Voilà, bah, là, il n'y a pas de bug, par contre, on est d'accord. Attention. Wouhou. On s'accroche. Séquence réflexe. Oh, magnifique. Ça me reprend un petit peu les angles de Tomb Raider. Si je dis pas de bêtises. Allez, go. Apparemment, il y a quelque chose à faire là. Non, attendez, il y a un levier. On doit s'accrocher là. Ok. Accroche-toi, Kratos, joli. Fais gaffe à la bébête qui est en dessous quand même. Il y a une bébête pas très sympa. Allez, accroche-toi. Alors, il y avait un levier, je ne sais pas ce qu'il fallait faire avec, mais bon. Ce n'est pas grave. Yeah. Oh non, pas encore elle. C'est dingue ça. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. En plus, une c'était déjà chiant. Mais alors deux, bon. Alors attendez, on va en geler une. Voilà. Alors, toi, mais voilà, laisse-moi tranquille. Oh là là! Mais ils lootent! On se calme avec leur électricité, elle rend mal le nœud. Attention, d'accord. Ah, d'accord. Essayons d'en étourdir une. Voilà. Je
J'ai pas réussi à les tourner, mais ce n'est pas grave. Vite. Rage. Youhou. J'adore ce gameplay de fou. Ah, on a elle, on l'a fini, finish move. C'est parti. Voilà. Et schlack. Ok, pas trop dur. Elle est où? Elle est là. Voilà, c'est fini pour toi aussi. Finish him. Et boum. Voilà, rien de difficile. D'accord, encore une chaîne. Une chaîne, chaîne, chaîne. Chaîne, chaîne, chaîne. J'ai une massue, non? Non, j'ai juste mon coup de pied. Ok. Qu'est-ce qu'on fait là? Hop, vas-y, appuie sur rond. Fais monter l'ascenseur, mon ami Kratos. D'accord, c'est tout? Non! Non! Vas-y, recommence. Vas-y, fais tout monter. Tout. J'espère qu'on pourra grimper dessus, par contre. Parce qu'ils sont gentils, mais... D'accord. Bon. C'est une question de rapidité, Kratos! Vas-y, Kratos, c'est une question de rapidité! Wesh, Kratos, vas-y! Ouais, cool. Allez, on reprend la vie. Alors, visitons voir s'il y a des caisses dans ce coin-là. Ouais, ici, il y a une caisse rouge. Prends-moi ça, un petit peu d'orbe rouge. Voyons voir si on peut améliorer quelques petites choses. Donc ça, il faut 12 500, c'est même pas la peine d'y penser. On va améliorer tout ça. Donc celui-là, c'est à fond. On va améliorer bah, plutôt celui-là, parce que l'éclair, j'utilise très peu. Débloque l'attaque magique. D'accord, 4000 orbes. On est parti. Vas-y, bois un coup. Glace de Poséidon, et voilà. Et en plus, on débloque l'œil du cyclone. Enfin, la magie, on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne, la magie, justement, l'attaque spéciale de la glace de Poséidon. On verra ça en combat, bien entendu. Vous vous doutez bien que je vais pas vous le montrer maintenant. Allez, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Rond. D'accord, on tombe quelque chose. Oh là là, ça va être compliqué, ça. Encore une énigme compliquée, je le sens bien. D'accord, ça me pousse un bloc. Bon, jusque-là, d'accord. Attendez, voyons voir là-bas s'il y avait quelque chose de spécial. Ah, c'est peut-être pour y monter, tout simplement. Si c'est que ça, je suis heureux. Youhou, c'est ça. Ok, rien de compliqué. Allez, chope-moi ça, mon pouco. D'accord, on y va. Oh, oh non. Oh, Galax, mais qu'est-ce que tu fais? Voyons. En plus, sauvegarde en cours. Abusé, quoi. C'est pas grave. Deuxième fail. Vous pouvez les compter. Allez, go, on y va. Hop, fallait anticiper, les amis. Je sens bien les sortes de piquants ici, je sais pas pourquoi. D'accord, on va où? Alléluia. Oh, de Dieu, c'est chaud. Vas-y, go. Voilà. Ah, il y avait une caisse rouge. Il y avait une caisse rouge. Comment on monte là-haut, s'il vous plaît, monsieur? Non, tombe pas. Troisième fail. Ah là là, je vous jure, ce Galax, incorrigible. Il voulait tellement avoir la caisse rouge qu'il s'est foutu en l'air. Youhou! Il voulait faire le saut de l'ange. Allez, sérieusement. Mais dans la plus sérieuse des... Oh putain! Alors comment on peut aller... Attendez, est-ce qu'on a quelque chose là? Non, on a rien du tout. Vous êtes sûr? On peut pas casser quelque chose? Non, apparemment non, d'accord. Bon, eh ben, on va être obligé d'y aller. Ouh là là, d'y aller là. Ah, je pouvais pas y aller en haut, j'ai pas compris. Comment aller en haut alors? Il y a un moyen. Voilà, c'est ça. Ouf, ok. J'ai eu peur parce que je vois la caisse rouge et si je peux pas la prendre, ça la fout mal, les amis. Allez, go. Vérifier quand même s'il y avait rien de ce côté. Parce que c'est bien de regarder là, mais. Non, apparemment il y avait rien d'autre. Ok, on y va. A priori, très peu de chance. Allez, il y a pas de caisse là non? C'est quoi? Des insectes par contre. Allez, on teste. Ouais. Plac. Oh, comme c'est beau. Oh oui, c'est beau, ça dégèle et tout. Joli, on reprend le feu, ça les dégèle. Ah, super comme attaque, ça. Ça peut les calmer un petit peu, complètement les dégeler. Intéressant. On teste le feu. Youhou. J'adore. Parfois, ouais, quand même, que les attaques magiques sont sympathiques. Hein. Moi, j'aime bien. Franchement, ça a de la gueule. Faut bien l'avouer.
Attention, esquive. Parce qu'ils sont explosifs. Des insectes explosifs. Attention, esquive. Voilà. Merci, monsieur. Et j'ai mon mode rage qui est prêt pour le combat suivant. C'est quoi ce truc qui bouge? Oh, mais oh. D'accord. D'accord, il y a des caisses, là. Ah! À mon avis, on va avoir le droit à battre l'hydre, là, le truc dans l'eau. Je le sens bien. Mm-hmm. D'accord, c'est juste un paysage. Ok, récupère-moi ça. Même si j'aurais pas dû l'apprendre, j'ai déjà assez de vie. C'est quoi ça? J'ai même pas vu la couleur de la caisse. De la magie, ça j'en ai besoin par contre. Ça me remet la magie à fond, tant mieux. Alors visitons un petit peu ce qu'on avait là-bas. Parce que c'est bien. Voilà. Ah, heureusement que j'y suis allé. Des orbes rouges! Youpi! Allez, avançons un petit peu dans ce code of war ascension. Ah, d'accord. Une tyrolienne. Boum. Qu'y a-t-il ici? Il y a une échelle. On peut descendre apparemment. Oui! Voilà, Galax. C'est ça qu'on aime avec toi. C'est que tu regardes tout. En plus, avec un magnifique panorama que tu nous offres, c'est super beau. Œil de Gorgone. Ok. C'est tout. D'accord, il y a un autre. En tout cas, ce panorama, je vous l'avoue, est assez joli. Oh là là. Allez, go. On continue. Ça c'est de la chaîne quand même. Oh là là. Ah, ça sent la scène de combat. Ah non, on n'ouvre pas maintenant. Oula, défense. Merci. Ah, oui, le Minotaure. Oh oui. Ça fait du bien. On le retrouve ici. Depuis God of War 2, les amis. God of War 2. Et voilà. On se souvient tous du QTE. Il y en a deux. T'es sérieux? Oulala. Là là. Oh oui. Oh c'est beau. Oh le QTE. Oh le QTE. Attention. Vas-y dégage. Oulala. Ça fait du bien de retrouver un Minotaure. Même deux je dirais. Deux pour le prix d'un, les amis. Attention. Schlack. On va les glacer, je pense que ça va rien leur faire si c'est des glaces. Impeccable. Ouais, j'ai pas l'impression que ça les ralentit bien. Si ça les ralentit un petit peu, disons. Eh ben écoutez, on va les chauffer. Je les ai glacés, maintenant je les chauffe. Voilà, ça lui a fait mal. Attention, on dégage. On va lui faire Hades maintenant. On lui fait Hades maintenant. J'ai fait les trois magies. J'aime bien tout faire, c'est trop marrant. Allez, vas-y, chope-les, vas-y, dégâts, combo, vicieux. Oh, que c'est bon. Si vous voulez mon avis, triangle. Vas-y, je te plante. Si vous voulez mon avis, ils nous ont mis des caisses de vie pas loin. C'est qu'on va en avoir besoin contre les Minotaures. C'est qu'ils sont pas faciles. Ah, c'est bon, alors lui, il y est. Vas-y, attaque. Vas-y, finish move, QTE, rond. Oh, que c'est beau, croix. Ouais, rond. Oh que c'est beau, bordel, triangle. Ouah, c'est gore. Super. Et toi aussi. On est reparti. Et de deux. Croix. Carré. Croix. Et triangle. Ouah. Yeah. C'est trop la classe, les gars. Vraiment trop la classe. Allez, on prend la magie. N'oublions pas la magie. On va laisser la caisse verte ici, vu qu'on a la vie à fond, de toute manière. Donc pour plus tard, si là, juste après, on en a besoin, on reviendra ici, si on peut. Bon, ça m'étonnerait, parce que c'est un jeu quand même super linéaire. Ok, mais il n'y a que ça à faire, je crois. Qu'est-ce qu'on doit faire, maintenant? Les amis, faut continuer par là. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'il faut faire là. Par contre, je vous l'avoue, il y a des. On dirait un doigt. Alors que c'est des chaînes. D'accord. Enfin, c'est quelque chose ici. Il faut faire ça. Non! Je fais n'importe quoi. N'importe quoi. Juste ma magie, moi. Juste ma magie pour rien. D'accord. Peut-être reconstruire quelque chose ici, non? Non. Peut-être là. Peut-être les chaînes, non? Non. D'accord. Je me fie un petit peu aux angles de caméra. Alors attendez.
Voyons voir. Il y a une caisse rouge là-haut. J'ai vu. Oh, il y avait elle, d'accord. On l'avait même pas vu. Même pas on l'avait vu, les gars. Même pas on l'avait vu. Allez. Elle se planquait bien, elle m'attaquait même pas. C'est ridicule, mes amis. Complètement ridicule. Néo. Attaque-moi, t'es nul. Nul, j'ai dit. Vas-y, remagie. Hadès. Les bras de l'enfer. C'est un peu ça en plus. Vas-y, elle est pas morte encore, elle est pas morte. Elle me donne du fil à retordre, celle-là. Ok. J'ai bien aimé en tout cas retrouver les minotaures. C'est sympa. Vas-y hop, récupère-moi ça. Boum. Allez, enfin les vivants. Hop là là. Impeccable. Ça, c'est fait. On est au deuxième pied. Le deuxième pied de taille 50 000. Putain, bah ça c'est du pied quand même. Wow. À mon avis, on va devoir briser les chaînes. Je ne sais pas trop, on va voir. Je sais pas trop ce qu'on va devoir faire. Je vais aller récupérer la caisse de santé quand même, on sait jamais. Apparemment, il y en a même une en haut. Non, je crois en avoir vu. Ah non, même pas. Je vais la récupérer quand même. J'en avais pas trop besoin, mais bon. Un tout petit peu peut-être, je ne sais pas. Non, même pas. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on chope la chaîne. D'accord, bon, fallait pas la remettre comme il faut, mais juste la baisser. Ça veut dire qu'on peut monter dessus, ça. Ah! Ah oui, là, d'accord. Go. Ouais, d'accord. Allez, allez. Voilà. Faut assister un petit peu. Bah si, regardez, j'en avais bien vu une. Et il me semblait. D'accord, mais vu que j'en ai pas trop chié, j'ai optimisé mes armes à fond. Forcément, tout va bien. Ok. Vous avez vu l'angle de caméra, quand même, si vous n'allez pas en dessous, il y a même un drapeau qui vous cache la caisse. C'est fort. J'adore ça. Allez, go. Je sais pas par où il faut aller. D'accord, il y a une caisse, d'accord. C'était l'annexe, le chemin annexe. Plume de phénix. Yeah. Allez, go. Hop, petite roulade pour aller plus vite. Donc on garde la caisse ici si jamais on a besoin. Oh, du feu. Oh, des caisses ici. J'ai besoin des caisses, moi. Ok, je sens l'énigme à la Mangmalne encore. Je ne sais pas vous. Alors, il y a deux... Oula, j'ai pas envie de bouler sur place, moi. D'accord, il y a deux trucs, là. C'est tout? Tu te fous de moi? C'est que ça? D'accord, je croyais que ça allait être plus compliqué. Bah, tant mieux. Extrait du carnet d'Archimède. Les insensés sont passés, une besogne des sœurs qu'il disait « Ce n'est pas possible, les sœurs ne laisseraient jamais ces deux-là ruiner ma création. » Ouais. Ah, on a beaucoup de santé depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, écoutez, parce que... on n'en a pas besoin. Franchement, hein. Alors, des fois, au début du jeu, on en demanderait plus, mais là, non. je sens que le boss marin arrive. Ça le sent vraiment. Par contre, l'animation des oiseaux était limite, là. Franchement, hein. Ah, c'était vraiment limite, limite. Allez, on continue, les amis. Hop, on s'accroche. Boum. Comme d'habitude. Vas-y, hop. Ouais. Ouais. Oh, j'adore ce jeu, il est super beau, quoi. Ah, merde. Oh, non. Pourquoi? Pourtant j'avais bien appuyé sur sur R1. D'accord. Quatrième fail. Voilà, je compte les fails moi-même. Allez, heureusement qu'on reprend de là, les amis. Sinon ce serait chiant pour vous. Hop. Voilà, c'est bon, là je me suis accroché. Pas de soucis. Carré. Ah non. Ah, c'est bon, c'est bon. On y reste accroché. Carré, croix, carré. Donc comme ça tu rentres. Impeccable. Allez, petite phase de plateforme. Moi j'aime bien. J'ai vu plein de lianes. C'est pas des tyroliennes, c'était des lianes. Ouh là là. Dépêche-toi. Voilà, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche avant de tomber. Hop. Voilà. Bah, je pense pas qu'il y avait une question. Qu'est-ce que ça me fait? Vas-y, hop, saute. Voilà, c'est bon. On est bien là. Oh là là. Wouhou. Faut se dépêcher. Tout s'effondre.
Par contre, il y avait des caisses en bas, je ne sais pas. Oh là là, ça sent le piaf. Par contre, j'ouvre la caisse bleue. J'aime pas les piafs, on casse tous les cocons. J'aime pas les cocons. Ah, des orbes rouges. Toujours et encore, des orbes rouges. Bouh. Voilà, allez, on casse les derniers cocons. Il n'y a même pas un oiseau qui est sorti. Franchement, si ça c'est pas beau, je sais pas ce que c'est. Hein. Ok, là on est bien, on va voir si on peut améliorer une arme. Donc ça on va les garder, encore une fois je vous l'ai dit, on va améliorer toutes les magies avant. D'accord, donc il nous reste plus que la foudre. Hop, j'aime bien tout avoir. Voilà, frappe olympienne. L1 plus triangle. Je vais voir un petit peu ce que ça fait, frappe olympienne. C'est comment on sélectionne l'éclair, c'est en haut, d'accord. Ah, pour le coup, c'est pas mal. D'accord, ok. C'est cool. Je vais garder l'éclair d'ailleurs. Non, on va prendre Hadès pour le moment. Il y avait rien à faire avant. Je crois qu'il y avait quelque chose à faire là. Non, c'est moi. D'accord, Galax. Je sais pas ce que tu sors, mais c'est pas grave. Allez, go. Vas-y, on va là-bas en face. Hop. Carré. Et carré. Boum. Défonçage. Chargement in-game. J'aime pas ça. J'aime pas du tout ça. Ok. Petit chargement complètement inutile qui a cassé l'action. Mais ce n'est pas grave, on va pas se plaindre. Allez. Oh là, ça fait mal, là, le sadique. Inhumain, maintenant. En faisant tout le temps le même combo, ça marche super bien. Voilà, j'ai fait un combo de 55. Si, ça c'est pas beau. Non, on prend toujours pas la caisse, on a pas perdu de vie. Ah d'accord, on va casser ça là-haut. Veux-tu bien te casser? Veux-tu bien te casser, Jelly? D'accord. Ah d'accord, ça me fait gagner des combos en fait, des trucs qui marchent jamais. Ah si, voilà. Je préfère, parce que je pouvais pas monter, tu permets, oui. Attendez, il n'y avait pas de caisse en bas là, les amis? Non, apparemment non. Ah d'accord, j'ai pas eu le temps, En fait, quand j'ai compris qu'il fallait utiliser le truc... Et bah c'était trop tard. Oh là là, mes Galax de Dieu. Cinquième fail. Comptez bien. Oh non, je les avais tués, ça allait super bien quoi. Allez hop, lui on va lui faire la totale. Il est chiant de tuer quand même, c'est super long ça, ça une vie super longue pour rien du tout, on s'embête quoi. Ok, donc non, là il y avait juste une caisse. On peut pas passer dans le petit trou de souris là? Non, on peut pas. Allez, c'est bon. Zut, attache-toi, j'ai failli réoublier les gars. Le gantelet d'Apollon. Tu laisses une armée aux abois? Reviens-nous, général. Mène-nous à la victoire. Tu n'existes pas. Tu n'es qu'un mirage. Retrouve tes racines. Redeviens qui tu es vraiment, Spartiate. Nous voulons simplement te ramener chez toi. Chez moi, c'est Sparte. Ma sœur! Montre-lui le sort que Sparte réserve aux traîtres! Si c'est que ça, ce n'est pas grand-chose, les amis. Voilà, si! Attention! D'accord, vous voulez jouer comme ça? Nouveau sort! Ma façon, j'ai dit. Voilà! Vous êtes complètement gelé maintenant! Et hop! C'est la façon de Galax! Et ouais, tu crois quoi? Wow! D'accord! Si tu veux, viens là!
C'est ton tour, ma fille. Attention. Magie. Magie, magie. Et croix. Voilà. Alors par contre, je vais pas me gêner. Prenons ça. Attention. Et... boum. Et la pluie. Que la lumière soit. Attention. Oh là là. D'accord, il reste une lance. Prenons-la. Attention. Pareil. Schlack, ça fait du bien. Attendez, toi, tu mets une merde. Attention, hop, vas-y, je te chope, mais pas toi, lui là, de son bouclier à lui. Ah, il est chiant. D'accord. D'accord, bah, tu t'es pas au pire, hein. Moi je m'en fous, hein. Écoute. Oula, qu'est-ce que c'est? Rage. D'accord, on passe en mode Hades. Oula. Comment tu veux que je devine qu'elle est ça? Attention! Oh putain, on dirait une grande araignée avec ces trucs. Vas-y, prends ça. Vas-y, venez dans mon rayon. Vous allez comprendre avec les bras d'Hadès. Attention! C'est pas possible! Oh, elle est pas. Elle est forte quand même. Oh, je vais t'arrêter, moi. Tu m'énerves. Tiens, stop maintenant! Ça va pas durer longtemps sur elle quand même. Wow. D'accord. Tu veux jouer comme ça? Comment la voir? Oh là là, d'accord, j'avais pas compris. J'avais oublié. Mais oh. Voilà. Défense. Ah non, elle m'a eu le dernier coup. Attendez, feu. C'est le cas de le dire. Et rond. Voilà. T'es mal barré, ma vieille. D'accord, qu'est-ce qu'il fait? Encore des gardes. Abusez pas. Bah ça va être la même manière. Sauf que j'ai plus de magie. Si. Voilà les gars. Tout gelé. Avec Kratos. Et go. Il s'appelle tuer tout le monde dans le même sac. D'accord. Boum. Boum. Et enfin, boum. Arrêtez de m'embêter. Voilà. Ah, il y a une lance, là, il y a une lance. Vas-y, viens là, hop. Et schlock. Peu lui. Je lui use la vie et autre aussi là-bas. Maintenant, c'est les insectes. Je crois rêver. Attention. Ah, il y en a encore. Ah, les combats qui s'éternisent un tout petit peu là, je dois vous l'avouer, c'est un petit peu dommage ceci dit. D'accord. Ok, venez là. Allez, la rage. C'est parti. J'attendais que ça. En plus, elle a eu sa vie même à elle en haut. Ça qui est bien aussi. Vas-y, hop. Schlack. Plus ta vie. Boum! Ça, c'est ce que tu crois, ma belle. Ah! Ah, il est mort, lui. C'est bon, on l'a eu. Donc, des insectes encore. Des insectes. Oh! Mon dieu, la glace. Youhou! Allez, les gars, glacé encore. Bon, c'est assez répétitif. Là, je trouve que le combat s'éternise un petit peu. Je n'y peux pas grand chose. C'est un petit peu dommage que les combats s'éternisent comme ça, c'est con. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Allez. 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 Tu veux y aller, oui. Ah, eux, ils ont leur compte. D'accord, j'ai la rage. Youhou. Ah, enfin tu es là. Allez, attaque. Boum. Rond. Schlag. Croix. Schlag. Carré. Je te chope. Triangle. Je te l'écrase. Ah non, je te fais passer dans le mur. Elle est pas loin de mourir. Elle est pas loin, les amis. Elle est pas loin. Rond, rond, rond. Vite, on appuie sur rond. Ah, tu vas y passer. Tu m'embêtes depuis le début, toi. Ah.
Le bras. Mon bras, tu vas me le payer. Qu'est-ce que tu crois? Oh non, pas son piaf maintenant. Viens, ma sœur. Ensemble, nous vaincrons ce moins que rien. Ça, c'est ce que tu crois. Oh là, il m'emmène. Mon dieu. Oh là là, c'est très violent. Ok, esquivez, d'accord. J'ai esquivé, je croyais avoir esquivé. Oh bah à chaque fois je croyais esquiver mais j'esquive pas. Hop, là je l'ai esquivé je crois. Vas-y, c'est pas mal là cette séquence par contre. Voilà. Vas-y, je vais te finir. Viens, mon amour. S'il nous offre la douleur, alors la douleur est ce qu'il recevra. Je ne souffre jamais, sache-le. Ah, un petit boss encore. Wouhou. Youpi. Je croyais que c'était calmé un petit peu avec les boss là. Eh ben non, c'est reparti. Hop, c'est parti. Kratos Unchained. D'accord, allez, on est reparti les amis. On va la tuer celle-là une bonne fois pour toutes. Il y en a marre, hein. Attention, R3, la rage. Youhou. D'accord, on peut pas l'attaquer. Dépêche-toi. Vas-y, hop, impeccable. C'est bon, on y arrive. Voilà. Je te chope. C'est parti. C'est bientôt fini, t'inquiète pas. Triangle. C'est chaud. Mais bien sûr. Même pas, je ne mourrai. Il te manque un bras, non? D'accord, là elles sont toutes contre moi, mon dieu. Mais allez, ils me font un... C'est 3 contre 1, c'est pas juste. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas juste du tout. Voilà, moi je m'énerve alors. Oh, c'est complètement anthologique. Ok, vas-y, venez là, attention. Non, 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 non. D'accord, oui, c'est vrai que c'était ça. Go. Oh là là, apprenez à vous calmer les gars, sérieux? Non, vas-y dégage, par contre je vais éviter ça. Ça fait mal quand même, ça fait mal ça. Oh putain. Oh là 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 là, j'en prends plein la gueule. Attendez, attendez. Attendez. Oh là là. Vas-y attendez. Un petit peu d'éclair les amis. Un petit peu d'éclair. Boum. Vas-y on tente ça maintenant. Oh, c'est vrai qu'on l'avait pas tenté, on l'avait pas essayé. D'accord. Bon. Oh là là, j'esquive tout ce que je peux, ça va tellement vite les amis. Saute. J'ai pas le temps de sauter. Je voulais sauter, j'y ai pensé après. Attention. Ah, j'ai pas le temps, c'est pas vrai. Elles sont dures. Ah, ils sont... Mais putain, ils sont 3 contre 1, quoi, c'est pas juste. Voilà, attaque du trio, attention, ça va chier, chaud patate. Voilà, j'ai évité l'onde de choc. Oh là là, d'accord. Carrément, quoi. Ah, la pluie. Mon dieu. Attention, esquive. On esquive tout. Alors je préfère prendre mon temps si vous voulez. Elle va pas me cracher comme une merde. Voilà, donc elle sert à rien à les protéger de toute façon. Faut tuer eux d'abord. Attention. Allez, bon on y va. Pas qu'on peut les attaquer, tout va bien. Hop, voilà, on est cool, on est cool, on est cool. R3, rage. Voilà. Pour l'instant tout va bien les amis. On est bien, on est bien, on est bien. Il nous reste encore de la vie. Allez, toi, je t'attaque. Ça y est. On est proche de la fin. Je le sens. Je sens que tu vas mourir. Oh là là, c'est chaud patate. Oh là là, attaque trio, triangle. Oui, c'est bon. Trois. Oui. Ah, d'accord, stick. Oh là là, il y avait du stick, là, les gars. Il y avait du stick, attendez. Oh là là, il y avait du stick à faire.
Ouh, il y avait du stick. Alors là, QTE, pas évident, par contre. Quand il commence à y avoir du stick, c'est quelque chose qui va pas. Ah, c'est bon. Là, on se calme. On est reparti. On réfléchit. On prend notre temps. On regarde bien la vidéo. Allez. Phase de QTE de la mort qui tue. Triangle. On va devoir faire un stick après carré. Vas-y. Ok, là le stick, ouais, c'est bon, on l'a réussi. C'est tout bon. Il reste elle encore. Ce n'est pas fini. Oh, c'est quoi ça? Non. Tu te fous de moi. Je te finis. J'ai réussi le stick. Je sentais venir ça. Ils allaient nous remettre du stick. Oh, c'est gore, putain. Oh, c'est gore. Oh. Oh mon dieu. Ah, c'est putain de gore là par contre. Ils ont abusé. Assez. C'est quoi ça? L'heure est venue, Kratos. Rentre dans le droit chemin. Peut-être que si tu mènes à bien ta mission, tu retrouveras un jour le chemin de l'Olympe. Plus jamais je ne servirai Arès. Tes méthodes sont indignes de nous, Bégère. Je vais m'occuper de lui. Tu nous reviendras. Plutôt mourir. J'aurais dû faire cela il y a bien longtemps. Orcos? Tu te ranges du côté du Spartiate? Cette fois, tu vas échouer. Qu'as-tu fait? Espèce de minable fourien! Trouve-les! Jamais la lanterne spartiate. Mes créatrices savent que tu les convoites. Tu n'atteindras jamais les yeux. Avec ce pouvoir, j'ai échappé à l'hécatonkyr. Et que va-t-il t'arriver? Que tu réussisses ou non, mon destin sera scellé à jamais. Alecto a détruit le seul chemin menant à la lanterne. Avant cela, je t'aurais aidé à l'atteindre, mais... à présent, tu dois trouver un autre chemin. D'accord. Intéressant. Bon. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va bientôt s'arrêter là. Alors, Pierre du Serment d'Orcos, les potes d'abord, obtient un trophée. Symbole douloureux de son terrible fardeau de gardien des serments des Irini. Cette pierre permet à Orcos de se dédoubler. D'accord, donc c'est là le fameux pouvoir que l'on a entendu parler pour ce nouveau Ascension. D'accord. Bon, bah, en tout cas, ça fait plaisir comme ça. On est fixé. On a combien de minutes de vidéo? Nous sommes à peu près à 53 minutes. On va s'arrêter là, écoutez, pour l'épisode numéro 8. En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode plein d'action. Quelques énigmes, en tout cas, merci d'avoir regardé. Vive les jeux vidéo et à la prochaine. Salut tout le monde.